Bonsoir, bonsoir tout le monde. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulema bis et Ndolo Moulema. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulema bis et Ndolo Moulema. Voilà, là je suis en train de faire ces lives-là. Bonsoir, bonsoir Luc. Voilà, je suis en train de faire là, c'est juste un tour de 10 minutes. Je ne vais pas prendre mon temps. Comme Patrice Amel, tu as pris de la peine pour faire une vidéo, moi je vais faire un direct pareil. Ça va être presque les mêmes, ça va être presque la même chose en fait. Parce que j'ai horreur du mépris. Tu as fait un post aujourd'hui là. Toi, Patrice Amel, comment tu as ma lumière? Comment tu as ma soeur chérie? Bonsoir, bonsoir Luc. Comment tu as mal Comment dit Patrice Amel, tu as fait un post aujourd'hui parlant d'une femme qui a mis un enfant, comment dit, non, qui était prête à accoucher et elle est morte sur la table d'opération. Quand j'ai vu ça là, je suis venu te répondre, je suis venu te dire que c'est toi, ah super Malumès, quand tu as fait ce post, tu as bien mis l'intitulé que oui, franchement, les femmes, tu as essayé de sensibiliser aux femmes qui donnent vie et qui laissent leur, qui donnent vie et qui laissent leur propre vie. Je suis venu te répondre que non, je laisse pas couler le culte, je laisse pas couler. Tu as fait un post, comment je suis venu te répondre que oui, il fallait que c'était, comment dire, il fallait que tu sois à la place de la personne. Il fallait que tu sois à la place de la dame là, en fait. Maintenant, tu fais les pleurs du mbolé, les pleurs du mbolé, les pleurs du mbolé. Oui, vraiment, Ndolo Moulema m'a souhaité la mort. Ndolo Moulema m'a souhaité la mort. Quand tu prends une vidéo, tu mets sous moi. Quand tu étais en train de caricaturer mon mec, pendant 4 jours, tu étais posé sur lui. Je dis bien 4 jours. Tu n'as pas pensé que ceci est l'enfant de quelqu'un? Toi, tu peux me caricaturer, je m'en fous. Tu peux m'insulter, je m'en fous. C'est de bonne guerre, toi et moi. Tu m'as vu un jour, j'ai affiché tes enfants. J'ai déjà affiché ton mari. J'ai déjà affiché qui de ta famille? Personne. Une personne qui vient d'accoucher. Et toi qui parles de diable. C'est toi qui veux parler des mauvaises choses alors que toi, tu es la première personne avec le diable. Quand je fais le poste là, j'assume mes dires. Je dis que c'est toi qui devais être à la place de la personne là. Oui, je les assume. Et si c'est que ça a refait, je vais le refaire. D'accord? Parce que quand tu t'es mise à l'aise à caricaturer mon mec, tu insultais, tu l'as traité de proxénète, tu l'as malaxé dans la sauce macabo, malaxé dans la sauce plantain, malaxé dans la sauce igname. Ça ne t'a pas gêné, hein? Ça ne t'a pas gêné. Imagine que c'est ton mari qu'on affiche comme ça, là. Et j'ai fait, mets-toi un peu ma place. Je fais la même chose que tu as fait à mon mari. Tu es sûr que tu seras contente? Une personne qui vient d'accoucher, tu peux même pas t'abstenir, oublier un peu Facebook, t'occuper de tes enfants. C'est où on a dit que ta grossesse là, c'est une grossesse imaginaire. C'est une grossesse qui n'a pas de sens en fait. D'accord? C'est pour ça que personne n'arrive à croire à ce que tu fais. Parce que c'est que tes agissements. Parce qu'une personne qui vient de poser des bébés, une personne qui vient d'accoucher, c'est toi qui fais les caricatures sur le mari d'une autre personne et tu insultes, tu le crées de proxénète, tu le crées de tout. Et tu crois que moi, je vais te prendre pour un ange. Regarde-moi une raclure pareille. Regarde-moi une imbécile pareille. Moi, je vais te prendre pour une ange. Moi, je vais te prendre pour une ange. Pour un ange, pardon. Je vais te prendre pour un ange. Mais vous faites souvent ça comment dans vos ciboules là? Vous faites même souvent comment? Dans vos têtes de moineaux qui ne servent à rien là. Vous faites souvent ça comment? Non, toi, ça t'arrange. Non, madame, tu peux faire ce que tu veux. Tu caricatures mon mari. Je demandais, depuis que tu es sous la toile, malgré que j'étais à laver, dresser, brosser, tu m'as vu afficher ton mari, ou afficher tes enfants, ou afficher qui de ta famille. Mais toi, tu ne rates pas l'occasion. Jusqu'à ce que tu rajoutes
comment on appelle ça, les condiments, les céleri, le cube, comment on dit, le persil, comment on dit, le poivron, tu rajoutes dedans. Tu prends mon gars, tu me caricatures moi, tu prends mon gars, tu mets derrière. Ma chérie, tu t'es bien rincé de l'œil, tu t'es bien rincé l'œil, non? Tu t'es bien rincé l'œil, non? Avec mon mari, non? Non, mais pour vous, ça ne fait pas mal, hein? Pour vous, ça ne fait pas mal. Mais quand moi, je dis là que tu aurais dû être à la place de la dame qui a laissé la vie là, que même ton mari ne va pas te regretter, même tes enfants ne vont pas te regretter, là, tu commences à pleurer. Vraiment, maman dit que je vais mourir. Elle m'a souhaité la mort. Donc, tu pleures aussi. Donc, tu pleures. Pendant 4 jours, tu te posais sur mon mec. Moi, je ne pleurais pas. Donc, vous croyez que vous pouvez manipuler les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez des gens. Non, il n'y a pas de souci. Non, ça ne devait pas déranger. Hein? Attends, c'est qui vient écrire les bêtises là? On dit qu'il a arrêté. Attends, attends que je te trouve. Attends, il faut que je bloque une personne là qui est venue écrire que mon mari. Attends, je vais doucement. Je vais doucement, il faut que je trouve la personne là. Voilà, attends, il y a la Kota qui l'a répondu ici. Voilà, c'est toi qui es venu afficher ton mari. Voilà, on m'a dit banni, voilà. Voilà, on m'a dit de bannir la personne. Voilà, Evelyne. Voilà, Evelyne, c'est bon, il était banni. Reviens encore, ma. Sapac, sale chienne, une imbécile. Vous voulez museler qui? Vous voulez museler qui? Vous allez qui? Quelqu'un me paye le truc? Je l'ai bloqué, possible, je l'ai bloqué, ma belle, je l'ai bloqué. Donc, je redis encore, comment tu as, ma Pauline? Oui, c'est gros nez, c'est gros nez. Je dis qu'elle est ma Pauline. Je dis que la femme la sache. Je dis que vous croyez que c'est facile d'encaisser tout ce que, la violence que vous êtes en train de faire sur moi? Mon mari ne vous a rien demandé. Hein? Moi, voici qui est là, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé Thierry. Je n'ai jamais affiché Thierry, malgré le nettoyage qu'il fait sur lui. Mon mari ne t'a rien fait. Merci, Justine. Mon mari ne t'a rien fait. Il n'a pas demandé à être sur Facebook. Cette chienne, cette sapac a affiché mon mari. Toi, tu te rinçais l'œil pendant 4 jours. Tous les jours, tu mettais la page. 4 jours, tu as mis ta page. Toi, le gros nez. Tu as mis aujourd'hui, demain, pendant 4 jours. Tu rinçais mon mari dans ta page. Tu t'es pas gêné. Tu l'as traité de proxénète. Moi encore, tu peux me traiter. Traite-moi de pute. Traite-moi de tout ce que tu veux. Mais laisse mon mari tranquille. Et maintenant que tu fais un post, tu dis que oui, tu sensibilises sur une femme qui a accouché et qui est morte sur la table d'opération. Moi, on s'était dit que il fallait que ce soit toi qui sois à la place de la femme là. Personne n'allait te regretter. Personne n'allait dire que même ton mari n'allait pas regretter. Maintenant, tu pleures, tu prends mes captures, tu poses. Quand je vois les gens, je vois Nyat Barano qui veut venir, Nyat Barano qui me dit carrément que non, il faut te cacher. J'ai demandé à Nyat Barano que, mais toi, tu es malade, Nyat Barano. Quand toi, tu allais casser l'ambassade, vous avez fait tout le désordre là, toi, tu as fui. Nyat Barano, je te réponds en même temps. Toi qui viens me raisonner, tu viens défendre Patricia. Tu défends gros nez par rapport à quoi? Cette patapouf là, une chénasse qui n'a rien dit. Vous voulez museler qui? Vous croyez que parce que je suis calme dans mon coin que je ne peux pas répondre? Je vous dis que maintenant cette fois-ci, je dis que je ne veux plus le laisser. C'est du tic-tac, c'est du tic-tac. Et je ne réponds pas à n'importe qui. Et je vous ai toujours dit ça. Je ne réponds pas à n'importe qui. Je sais à qui je réponds. Donc arrêtez toujours de venir me museler. Arrêtez toujours de me dire que Ndolo ne parle pas. Ndolo, ferme ta bouche. Wow. Ça parce qu'il y a un truc en cours que ça veut dire que vous devez me mâchouer comme vous voulez. Vous devez me manger dans la tous les sauces. J'ai dit non. Quitte à ça me rend, ça m'amène à l'hôpital. Quitte à ça me même, ça me dit. Je devais même bête, oui. Mais vous prenez pour qui? Donc toi aussi, ça te fait mal. Ça te fait mal. Toi là, tu es marié, tu viens d'accoucher, toi gros nez, tu viens d'accoucher et c'est toi qui caricatures l'enfant que tu ne connais pas. Mon mari t'a provoqué? Tu connais mon mari? Tu l'as déjà vu un jour? Est-ce que mon mari t'a déjà parlé? Merci, Justine. Mon mari ne t'a jamais parlé. Voilà, et pour ce qui dit que tu as mené à savoir le truc. Comment tu vois la maîtresse?
Gros nez, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, gros nez? Maintenant qu'elle dit que c'est toi qui devais mourir à la place de la dame là. Maintenant tu multiplies les postes. Maintenant tu veux avoir, tu veux manipuler les gens. Maintenant tu vas avoir la compassion parce que tu dis que c'est toi qui devais rester sur la table de la femme. C'est toi qui devais être à la place de la dame là. C'est toi qui mourir à la place de la dame là. Alors que tu as fait 4 jours posé sur mon mari. Tu l'as traité de tout. Alors que tu viens d'accoucher. Une maman qui vient d'accoucher. Mais vous êtes des satans. Vous êtes des diables, des lucifères. Et c'est moi que tu crains de diable. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Je t'assure, Kota. Comment tu vas, Jade? Mais c'est pas possible, ça. Vous faites ça comment? Tu fais ça comment? Depuis que toi et moi on s'insulte là, depuis que toi et moi on se caricature là, tu me caricatures, je te caricature, tu m'as déjà vu me plaindre? Est-ce que tu m'as déjà vu me plaindre? Je me suis jamais plaint. Parce que c'est des bonnes guerres. Mon mari t'a fait quoi? Qu'est-ce que mon mari t'a fait? Mon mari ne t'a rien fait du tout. Mais pendant 4 jours, tu faisais le poste tous les jours sur lui, tous les jours sur lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mets-toi à ma place. Si c'était ton mari à toi qu'on faisait ça, tu allais que tranquille? Mais comment vous faites même souvent ça que vous dites souvent que vous avez de comment dire comment vous faites souvent ça? Tu viens de faire des bébés, tu viens d'accoucher, comment tu vas Madou? Tu viens d'accoucher et c'est toi qui caricature une autre personne, c'est toi qui le crée de postuler, tu le crée de tout comme tu l'as traité là. Et vous voulez voir Dieu? Vous croyez que le même Dieu là peut vous nous voir? Comment tu vois ma Lolo vous dépasse? Lolo vous dépasse quand il te voit seulement un quota. Lolo vous dépasse. Quand je te vois, je ris seulement. Tu dis seulement que non, pardon. Moi, je suis un faux profil. Je ne sortirai jamais. J'ai trop aimé ton poste là. Lolo vous dépasse. J'ai trop aimé ton poste là. Maman, quand il regarde seulement, c'est je ris seul. Oh, voilà. Voilà un poste qui me sort le sourire. Voilà un poste qui me fait rire, quoi. Tellement tu as dit ça avec. Et le chien que tu as mis encore. Non, Lolo vous dépasse. Tu dois les mains. Donc, revenons. À ma grenée. Comment tu vois la maîtresse, la seule maîtresse, la seule unique maîtresse de la toi? Il n'y a pas ton deux, tu es la seule là. Oui, la maîtresse. Yes. Je vais très bien, Lolo vous dépasse. Je vais très très bien, merci. Mais deux, donc, dès que Lolo vous dépasse, depuis là, grenée est posée sur moi. Est posé sur mon mari. Mon mari, alors, c'est alors son chiffon, alors. Lolo vous dépasse. Mon mari, c'est le chiffon. Comment tu vas, Suzanne? Mon mari, c'est le chiffon. Lolo vous dépasse. Caricaturer mon mari. Insulter mon mari. Le traiter de tout. Et comme il n'y a personne, tous les sawa, les fausses sawa qui sont sur la toile, là. Personne. Quand je vois comment l'autre est en train de défendre l'autre. Oh, tiens, ma soeur sawa. Je vois comment ils sont en train de se défendre. On est en train de déchiqueter votre frère. Aucun, il dit que personne, aucun doigt là. Personne ne fait un poste. Personne n'est indigné. Personne n'est en train de dire que, mais vous êtes là, vous me harcelez par derrière que c'est mon frère. Tchanem, y'en a marre. Laissez pas arrêter des clashs. Mais vous pouvez vraiment harceler. Mais faites les postes pour soutenir votre frère. Mais faites des postes pour soutenir votre frère, voilà. C'est moi qui suis obligé de revenir encore défendre mon mari. C'est moi qui suis encore obligé de revenir défendre mon mari. Toi, ma grenée, cette sapaque-là, tu te posais sur mon mari pendant 4 jours. Tu le caricaturais, tu l'insultais. Tu étais content, non? Ça t'arrangeait? Quand tu as l'habitude de me caricaturer, est-ce que je me suis plaint un jour? Combien de fois tu m'as caricaturé? Je me suis plaint. Tu m'as vu écrire quelque part ou bien te taguer que, ouais, Patrice, arrête sur moi. Jamais. À la guerre comme à la guerre. Je dis bien à la guerre comme à la guerre. Tu t'attaques à mon mari. J'ai vu comment tu faisais du sale sur lui. Je me suis calmé. Maintenant, tu fais un poste maintenant là. Quand je dis que dans le poste là, c'est toi qui parlais de la dame. J'étais répondu dans le poste là que tu devais mourir à la place de la dame. La dame qui a donné une vie, elle est morte là. C'est toi qui devais mourir à sa place. Maintenant tu viens, tu fais des postes. Oh oui, tu joues la victime. Oh gros nez, oh viens dans le moulema. Elle m'a souhaité la mort dans le moulema. Tu multiplies les postes, tu mets mes caricatures, tu mets ceci. Quand je t'ai posé la question que quand tu as lavé mon mari pendant 4 jours, tu étais content non? Ça t'arrangeait? Une maman. Une chienasse qui vient de faire des enfants, tu viens d'accoucher, une maman qui vient d'accoucher, tu caricatures le mari, au mari d'une personne qui ne t'a rien fait.
Moi, mon mari t'a fait quoi? Tu as déjà vu mon mari? Il t'a déjà parlé un jour? Il ne t'a jamais prononcé mon mari. Jamais. C'est un gars discret. C'est un gars qui ne parle pas. Mais tu t'es mise à l'aise pendant 4 jours, non, ma chérie? Tu t'es mise à l'aise. Ta page a été monétisée, non? Là, moi, une chenasse, une laideronne. Comment tu vas, Kadhafi? Là, moi, une péteuse comme ça. Ça t'arrangeait? Ça te faisait du bien? Maintenant que je vais dire, maintenant qu'elle vient dire que c'est toi qui devais mourir à la place de la dame, tu commences à faire des posts, tu commences à faire tu fais des vidéos sur moi, pour un petit mot. Ah, donc ça t'a touché aussi. Donc ça t'a touché. Gros nez. Donc ça t'a touché. Que je dise qu'il faut que tu meurs à la place de cette dame. Toi, ça t'a touché. Mais quand toi, tu te mettais à l'aise sur mon mari, pendant 4 jours, tu as enchaîné, joué, le lendemain, tu n'as même pas fait, tu n'as même pas espacé. Tu n'as même pas eu pitié de moi. Tu n'as même pas espacé les jours. Cette chienne, cette sapate, une connasse, tu n'as même pas espacé les jours. Le lendemain, tu es sur lui. Tu te croyais King Kong. Tu croyais que tu étais quelqu'un. Tu croyais que tu t'es arrivé. Maintenant, moi, je te dis un petit mot. Oh! Tu enchaînes les dires, tu enchaînes les postes sur moi. Donc ça te fait mal aussi qu'elle dit qu'il fallait que tu meurs à la place de la dame. Donc ça te fait mal aussi. Donc tu as aussi un cœur. Une maman qui vient d'accoucher, tu viens d'accoucher. Tu ne devrais même pas caricaturer quelqu'un. Est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Toi, gros nez là, cette sapac, est-ce que tu as pensé le côté spirituel? Que tu es en train de caricaturer une personne qui ne t'a rien fait. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des cœurs? Est-ce que vous arrivez encore à avoir des cerveaux ou des cervelles? J'ai lavé le compagnon de Ngosa ici là. Je l'ai wash et je n'ai jamais menti. J'ai wash tuerie ici là. J'ai lavé tuerie, mais jamais j'ai affiché tuerie. Je n'ai jamais affiché tuerie. Jamais je l'ai affiché. Malgré le contentieux que j'avais sa sapate de copine. Malgré tout ce que j'ai avec elle. Jamais j'ai affiché tuerie. Je dis, mais jamais, même où on lave tuerie, je suis jamais allé poster, je suis jamais allé mettre un mot. Même où on caricature tuerie, jamais je suis allé poser un mot. Vous croyez que c'est par respect? C'est par respect pour la personne. Je suis jamais allé au-delà de là. Je dis, mais que je suis jamais allé au-delà. Dolo, elle a montré ta vidéo là où Nancy te lavait. Voilà encore Camion Rouge, je parle encore. Bonsoir Mazaria, comment tu as mon cœur? Je ne sais pas quelle question tu veux parler en fait. Il dit que malgré les problèmes que j'ai avec celle avec qui je me suis calmé là, non. C'est dès que je parle, que je suis loin avec elle. Mais jamais j'ai posté son gars. Montre-moi où j'ai écrit. Où on a insulté tuerie quelque part. Et que je suis allé écrire que Achoukon. Tata Guylaine a caricaturé tuerie ici. Tata Guylaine a caricaturé tuerie ici. Elle m'a vu aller émettre quelque chose. Elle m'a vu aller insulter là. Non. Elle allait pleurer là-bas, non? Camion Rouge, elle allait pleurer justement là-bas, elle allait pleurer là-bas chez Maté là-bas. Oh, pasteur, regarde-moi une personne. Donc tu es fragile comme ça là. Mais quand tu te mets à caricaturer les gens, quand tu te mets à l'aise, là tu es contente. Mais quand on te touche, y a les pleurs partout, les pleurs du mollet. Tu veux manipuler qui? Tu veux manipuler qui? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourtant il y a les gens, il y a les sawa dans il y a les sawa parmi nous. Il y a les blogueuses de Sawa, soi-disant de Sawa entre guillemets. Des Sawa entre guillemets. Toi-même d'abord là. Regarde-moi c'est même celle-ci même d'abord. Tu dis que tu es Sawa. Tu dis que quoi? Toi là. Regarde-moi comment. Là, comment elle ressemble à Kuntankinte. Regarde son ventre qui bave, comme on dirait l'astico. Regarde-moi ses pieds. On dirait une personne qui a porté des parpaings toute sa vie. Regarde comment les muscles, on dirait les simos. Regarde-moi une sapologique. Regarde ça, ses maigres fesses. Tu es parti carrément dans le direct. Tu pars dans le direct de c'est le criquet là.
Le chic là, comment elle est musclée, ma, tu es un homme ou tu es une femme. Regarde-moi sa carrure, un bomtolo, un bomtolo. Regarde-moi une roco, une drôle, il dit qu'une roco, une roco. Regarde comment elle est placée. On dirait un homme qui a porté les papins toute sa vie. Regarde-moi récemment une personne qui a souffert dans sa vie. Elle récemment un cadavre, un avis de décès. Regarde-moi regarde le corps d'une personne. Quel homme qui peut toucher à côté, c'est mon frère. Tu es quoi, c'est un homme, une autre femme qui va toucher une autre. Regarde comment tu ressembles à un homme. Regarde. L'homme va toucher quoi ici? Tu es musclé de partout, jusqu'au pied. Tu es musclé. Regarde le corps de quelqu'un. Avec le chance mal placé, mal aligné. Regarde-moi une laideronne comme ça là. Tu veux me parler de qui? Hein? Regarde-moi une personne. Hein? Et qui allait pleurer? C'est gros nez. Gros nez qui allait pleurer. Gros nez qui partait pleurer. Regarde-moi ceci. Regarde-moi le corps d'un être humain. Regarde comment le pantalon est soulevé, comment un vieux soulard qui a raté sa vie. Regarde-moi comment elle est posée. Elle a le sucre, elle est belle où elle est là. Regarde-moi, une muselette. Hein? Regarde comment le corps est. On dirait, regarde le corps, regarde le corps de quelqu'un. Regarde comment elle est frelatée de partout. La chair, regarde comment quelqu'un porte le pantalon. C'est soulevé comme ça, entre les cuisses comme ça là. Comme quelqu'un qui a raté sa vie, je ne sais pas quoi. On dirait qu'elle a bu divin. Regarde-moi le corps d'une personne. Hein? Tu te prends pour une femme. Tu es féministe ça, tu es une femme ça, tu ressembles à un robot. Mais demande ce que le gars doit toucher là-bas. Tu es musclé de partout jusqu'à le Dagobert. Regarde comment quelqu'un est musclé. Regarde une malade mentale comme ça, un malade mental. Regarde comment elle est. Qu'est-ce que l'homme peut toucher ici là? Les fesses tu n'en as pas, le devant tu n'as pas. Quand il fait chaud, regarde seulement quand on est 4 seulement là, ça doit sentir à 90 degrés. Regarde comment on touche ses aisselles. Les aisselles ça va sentir puyer, une puanteur qui n'a pas de nom. Regarde, me dit que quand il fait chaud, tu dis que tu dois sentir ma les odeurs qui doivent dégager de là. Maman dit que les cuisses, les frottements, ça noircit. Maman, regarde comment tu portes le pantalon, regarde comment le pantalon est posé. Regarde comment le pantalon est tiré, ma. Si même il fallait encore tirer ça, regarde comment le pantalon est. Regarde, c'est comme ça que tu es. Tiens le pantalon, regarde, ça fait ça. Regarde, ça fait ça, le pantalon fait comme ça là. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi l'aideron. Mets-toi droite comme ça là. Tu fais ça, ma. Fais même ça comme ça, non. Maman, dès que tu fais comme ça là, tu vas faire boum. Tu refais ça. Tu pètes boum. Parce que tu ne peux pas faire comme ça là. Fais le mouvement comme ça là. Hein? Fais le mouvement comme ça. Tu ne peux pas faire le mouvement comme ça là. Regarde-moi l'aideron. Que tu es laid comme la vie des dessins. Avec le gros corps posé comme ça là. Tu as changé pas la greffe. Un moins une imbécile, une chienne, une sapac, une raclue, un rat d'égout. Les que tu crois que tu te prends pour qui? Là, comment tu es musqué? Les pieds sont comme ça là. Je dirais quelqu'un qui a porté le papa au niveau des pieds comme ça là. Le pied comme ça là, comme ça là. La blague, tu vas pas me décourager. Laisse-moi. La blague, tu vas me décourager. Move. Mais moi, comment le pantalon de quelqu'un posé, mon frère? On est là, on porte les culottes. Elle sait, elle dit qu'elle porte une culotte. Et là, tu appelles porter une culotte. Le matelot est entre les cuisses. Là, comment c'est posé? Regarde les pieds. On dirait les pieds qu'on a l'habitude de souffrir. Les pieds de souffrance. Une dit que comment, une malchance. Là, comment elle ressemble à la malchance. Là, comment elle ressemble à la poisse. Regarde-moi un homme qui peut coucher à côté de ma. Maman, regarde seulement, regarde, il nous met comme tu fais encore un jansan là, les frottements de ça. Regarde seulement quand tu frottes, regarde comment tu frottes tes cuisses, regarde comment le pantalon monte, tellement ça n'a pas de sens. Vous croyez que j'ai peur de vous? Regarde-moi une imbécile, un jumeau, regarde ma yamsa, tu vois ma yamsa. Regarde, maman, tu pouvais t'étouffer quand tu prononces mon nom là. Tu pouvais t'étouffer quand tu prononces mon nom, mon nom, viens ici, ma bêche, viens ici. Tu ne ressens à rien. Tu ne ressens à rien. Tu entends ça? Là, comment le corps est posé? Rien que la cuisse, rien que seulement, rien que ma. Je suis sûr que quand tu portes les tennis se déchirent. Il n'y a rien qui doit rester. Regarde, le musclé. Regarde, le maman, regarde, tu as vu ma part? Regarde, ma. Regarde comment je suis dans le corps de quelqu'un. Regarde. Ma, regarde. Regarde ici. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis bien. Regarde-moi. Regarde. Comment c'est beau. Regarde comment c'est joli. Regarde. Ta part, on dirait que. Ta part, on dirait qu'on a posé les papins dessus. Regarde-moi les pieds de quelqu'un.
Regarde, on dirait que tu jongles les parpaings, mon frère, le jongle, le jongle, le ballon, tu jongles les parpaings. Regarde-moi une pétasse, une chienasse, une connasse, une impouque. Regarde-moi une imbécile. Avec Sérique, quand on donne au vu, Rika avait la chaleur si quand on ouvre tes mincanes là, Rika les odeurs, Rika quand on dit, Rika fait comme ça. Et quand tu veux, boum, boum, et quand tu l'as dormi, c'est comme ça que tu l'as dormi. Maman, j'ai pitié de tes enfants, j'ai pitié de la personne qui te niaise avant de dormir. Parce que pour lécher là-bas, la puanteur, tellement tes fesses sont collées comme ça là, maman. Tes fesses sont collées. Il dit qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas un pour rattraper le queue. Regardez, maman, qui va toucher le muscle ici? Le gars va quoi que il est pris la veine, il a, regarde, un gars qui va te coucher, il touche comme ça là, il fait comme ça là. Il va, maman, c'est comme ça, c'est posé comme ça. Le gars va, il va quoi qu'il en train de toucher. Il dit qu'il y a un autre homme. Hey, je suis avec qui sur le lit là? Quoi? Alors que tu es une femme. Regarde, regarde le muscle de quelqu'un. Regarde le muscle de quelqu'un. Une personne mal affamée, mal nourrie, mal baisée. Regarde le corps d'un être humain. Regarde les pieds musclés. On dirait le Tobasco. On dirait un enfant qui a perdu l'or. Qui a perdu le nom. Une chienne. Regarde comment elle est posée là-bas. Regarde le corps. On dirait que les surmonts là. Regarde, elle ressemble aux surmonts là. Les gens qui portent souvent les trucs blancs là comme ça. Ils mettent encore. Venez là comme ça. Là. Venez. Edimo est lent. Toi-même, je te remets le même Edimo là. Le diable que tu es. Toi-même, c'est toi le diable. C'est pas moi le diable. Moi, une imbécile, vous croyez que j'ai peur de vous répondre? Comme je suis là tranquille, il ne parle à personne. Je suis là, je vais rester dans mon coin. Tu veux me prouver que tu es une sawa, les sawa frelatés. Mouf, dégage, va dans ton village, bah moi là-bas. Qui derrière les sawa? Là, comment elle est vraie, comment elle est mal habillée, mal agencée, mal, mal allumée. Tout ce qui est mauvais, qui est laid, qui est délai, c'est toi. Tout ce qui est affreux, c'est toi. Tout ce qui est dégueulasse, dégueulasse, c'est toi. Il n'y a rien de bon qu'on ne peut prendre là-dedans. Parce que les fesses, tu n'en as pas. Le derrière, tu n'en as pas. Le devant, tu n'as rien qu'on dirait les planches. Les planches, maman, on ne touche pas. Le gars est sur le lit, il va toucher quoi? Les puces qui sont dures. Maman, il descend au niveau des pieds. Les pieds sont musclés. Il descend, il monte ici, là, il touche encore ici. Là, les fesses à bébé. Le gars touche encore, c'est dur comme ça. Le gars remarque, maman, je couche ici, je couche à côté d'un homme, je suis à côté d'une femme. Tu ne ressembles à rien. Dit que tu es une sous-femme. Les gens qui sont venus en peine perdent leur temps. Qui dit que, regarde-moi comment tu te places pour insulter une belle-sœur. Tu n'es même pas ma belle-sœur. Je refuse ta part de dollar là. Une dollar frelatée, une imbécile, une sapate, une chienne, une douce, une larme, et bazout. Tu me fais pas peur. Toi, dollar Bobolo, tu me fais pas peur. Tu n'es que petit raclus, incapable de pécer avec ton blanc. Si tu n'arrives pas à ouvrir tes narines, ouvre même tes narines, même suce-moi le bon calme, mon frère. Parce que quand le pauvre blanc, quand il descend là-bas, c'est rien que la friture dès qu'il sent là-bas. Là. Le gars ressort là-bas, dit que. Maman, je n'ose même pas imaginer avec la chaleur si, avec la chaleur si, ça va dégager seulement à vue de. Une fois comment quand tu t'assois, regarde, elle est comme ça là. Et que tout est. Même fais comme ça, non? Regarde, elle est comme ça. Elle ouvre, regarde, tellement elle est grosse. Même ouvrir comme ça, regarde. Ouvre comme ça, ma, ouvre comme ça. À peine on voit le corps, tout le monde le corps est. Viens ici, Jumo, maman, rien que seulement quand tu prononces mon nom, si tu pouvais te touffer comme ça, là, tu allais comprendre ce que c'est que appeler quelqu'un. Là, comment je parle normalement? Là, comment je parle normalement? Mais toi, tu es là. Mayam, oui, dis-moi, dis-moi, maman, je ne suis même pas à ta place. J'ai souvent pleuré à ta place que ma, tu vas. C'est une sorte de secours. J'ai souvent pleuré. Il manque ma, les calangassis, comment elle a qu'à prononcer mon nom? Quand les calangassis m'insultent, je me pose comme ça, où on a qu'à faire les coupures? Parce que moi, je la suis pas. Je l'ai bloqué en tout. J'ai bloqué cette sataniste. C'est une chienne, une personne qui ne sait rien. Dieu m'a une touille lang, une touille bi, une quoi lang, une bisserie lang, ayani lang. Dieu m'a une bawa comme une chute. Les que me souligne lang, une vapi lang. Tout ce qui est le bilang, tu es dedans. Sans exception. Sans exception, venez toujours me provoquer.
Vous croyez que parce que je me calme, vous croyez que je n'ai pas du répondeur. Je peux vous répondre même toute la République, mais je sais à qui je réponds. Aïe. Je sais à qui je réponds. Il n'y a personne qui défend mon mari. Il n'y a que la Black Bitch. Il n'y a que ma Catherine Chou. Il y a Matt et ma baisse. Voilà les gens qui mouillent le maillot pour moi. Mais mon mari est là. Personne ne le défend. Et je veux défendre mon mari. Bête de homme. Oui. Tu défends. Normalement, les doigts là frelatés. Une doigt là qu'on a eu la malchance que sa mère allait doser. Je ne sais pas. Jusqu'à même elle, sa mère ne connaît même pas qui est le père. Elle vient se topocamer que les doigts là. Tu es doigt là de quoi? La fille de Tata Guilhem Chapu. Mais presse. Essayez-moi encore. Je veux vous allumer one by one. En plus, encore toi là. Et toi, Tridienne, je t'ai dit tes mots et je ne reviens plus dessus. Mon frère, vous voulez prendre ma stamania, ma? Vous voulez prendre ma stamania? Récomme les gens qui ne peuvent même pas avoir mon temps. Tu fais semblant de faire comme si. Oui, un dolon moulema. Je ne connais pas qui c'est. Non, moi, il s'appelle qu'une raclure, une flémure, un rat d'égout. Tu crois que tu es quoi quelque chose? Tu crois que tu es quelque chose? Regarde-moi, une imbécile raté. Tu te fais passer pour la sainte. Oui, ne chie pas, ma. Ne chie plutôt les toits tribunes là. La criquet, rique l'astico, rique le cri, rique même, mais rique c'est même le bâton. Tu ne ressembles à rien. Quand on parlait d'une femme, tu as été placé pour parler d'une femme. Les seins tu n'as pas, les fesses tu n'as pas. Tu ne ressembles à rien. Rique le quoi est frelaté. Rique les mandibules sont posés. Mais c'est parce que le gars l'a touché sur le lit, mon frère. Moi, quand on me touche sur le lit, maman, on retourne comme ça, on me voit. On retourne, toi, on te cherche sur le lit. On cherche, ma. On cherche. Le pauvre. Et seulement s'il a une femme. Non, moi, une imbécile. Tu te fais passer pour une intello. Et moi, je suis comme ça. Moi, c'est elle, la salope, la chienne, l'imbécile. Elle vient parler de Dieu. Tu connais Dieu. Regarde, c'est vous qui péchez tous les jours. C'est vous qui parlez de Dieu. Toi qui pêches tous les jours. Tu me donnes les leçons de moi par rapport à qui? Ce n'est pas toi qui allais baiser avant Amé Kamé. Amé Kamé n'a pas touché ton tokolou. Amé Kamé n'a pas touché ton tokolou. Quand tu le corrigeras, oui. Amé Kamé, tu prends le pied, tu poses sur ça encore. Tu t'es pas marié. Tu ne veux pas avoir honte. Va te cacher, imbécile. C'est moi que tu demandes d'aller me cacher. Parce que tu as entendu quoi juste en fait. Oh non, mais tu vois un dono moulema. Oui, mais c'est qu'on a vraiment entendu de toi, hein. J'ai eu que tu as crappé ton petit maigre corps là. Ton bâton de magnon. Rique, je vais prier que j'écrase et broie ça comme ça là. Tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? Non, mais vous connaissez que oui. Mais tu es le pauvre blanc, vraiment, Ariette. Le pauvre blanc. Tu t'assois là, oui. Eh ben, je demande, hein. Ce n'est pas toi que la femme de Cruy est venue s'asseoir. Ce n'est pas toi ici, devant tout le monde, devant Facebook. Tu as lancé toi-même le direct. La femme venait. Ah bah s'il te plaît, oui, ma mère s'il te plaît, hein, parce que vraiment, la maman de Catherine Choua, bah oui, je m'aimerais bien avoir un verre d'eau là, parce que une nègre humaine comme ça, elle se prend pour qui? Oui, moi je donne pas, moi je donne des leçons de morale, dans le moulin, bah c'est qui? Bah je la vois souvent, comme je vois les coupures, partout, il est lent, me pis, il saute, tu vois le nom de qui il bat tout? Tu me connais très bien. Tu me suis très bien. Et quand tu reviens encore sur moi là, je veux que tu veux saboter ce qu'on appelle ton usine là. Je veux dire où tu achètes tes raclures de mèches là. Tu me connais pas bien. Viens encore sur moi. Regarde-moi les doigts là frelatés, les doigts là ratés, les doigts là de machins, les doigts là de caca, de carnivaux, de péteuses, de pisseuses. On est en train d'anéantir ton frère. Tu reviens encore, tu agis parce que tu es en train de supporter une souillure, une sous-femme, une personne qui a raté sa vie, qui ne sait même plus où sa vie va, où ça va devant. Le gars est parti. Elle ne sait plus qui, elle ne sait plus comment niasse, elle ne sait plus comment baiser. Elle vient mettre son dévolu sur moi. C'est ça là que tu peux supporter? Le néant? Regarde-moi une raclure. Regarde deux os, des maigrichons, des imbéciles. C'est ça que tu peux supporter? Tu peux supporter une personne qui ne t'apporte rien? Moi, je peux t'apporter. Tu as fait la pute, j'ai fait la pute, maman. C'est kit kit. Hey, d'accord? Tu as fait la pute. Moi, mais j'ai fait la pute. Oh, c'est moi qui partait sortir les voix là. Quand Natacha partait sortir les voix, c'est moi qui sortais ça. Jusqu'à y ait le témoignage, ma. Viens me dire qui a témoigné pour moi que j'ai fait la pute. Viens me dire qui a témoigné pour moi qui a fait la pute. Viens me dire. Non, moi, une raclure, deux ratés, des femmes, des sous-femmes, des femmes qui ne servent à rien, qui n'impactent pas, qui ne fiancent pas. Elles viennent s'asseoir avec leurs narines, leurs maigres fesses, avec leurs maigres fesses. Rien que les hommes qui n'arrivent même pas à toucher ça, c'est pour ça qu'on vous trompe tous les jours. Tu ne peux qu'être avec le blanc.
Un moi, il pas qu'il raclue. Tu ne peux qu'avoir le blanc. Tu peux qu'avoir le noir. Le noir, tu sais quoi. Même, il dit que ma mère, a baisé ça parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que tu as insisté, ma chérie. Tu as insisté. Le gars t'a bouillé. Il a cogné les petits là. Il dit, hey, moi, dégage. Voilà, tu fais ton blanc. Chienne. Tu crois que tu es qui? Tu es quoi? Hein? Henriette, si tu sois encore dans le cheveu, Henriette, moi, je te bloque ici là. Non. Ma black bitch a dit que je ne bloque plus. Je bannis. Tu ne vas plus jamais revenir, Henriette. Si tu es qui encore, si tu as une connerie sur mon truc et tout. D'accord? Je suis fidèle à l'amitié. Je suis fidèle à l'amitié. Je suis loyal à l'amitié. Je ne sors aucun voice. Quand il sort que le lavage, j'ai besoin de voice. Quand il sort que de rincer ces deux femmes-là, de chenasse, elle parle à le néant, elle fuit à la lumière. Elle vient s'asseoir, elle ose me venir me parler. Oui, bon, moi, tu vois, dans le moulin, maman, je la connais pas très bien. Hein. Moi, je suis ma chaîne Léna, hein. Moi, c'est ceci, hein. Et demain, que Nyad, ton tchon, non, Nyad, regarde-moi, hein. Non. Attends. Voilà, Nyad, voilà, comme tu es là. Ma, attends, Nyad, tu vois, attends ton tour. Attends, je charge mon téléphone. Je vais t'engager tout de suite. On va finir pour vous donner le chargeur. Oui. Mais c'est vous-même, hein? Ah, papa. Il y a un truc. Nyat, je vais me lever pour toi. Nyat, je vais me lever pour toi. Je me suis dit. Il demande qu'un Nyat. Nyat Barano, je vais te fabriquer un peu aujourd'hui là. Parce que c'est moi. Il demande que même ta femme qui est là-bas à la maison, c'est une pute, une raclue, une chenasse. Et puis que ta mère, dit que ta mère pue le cul. D'accord? Ta mère baise avec moi. J'ai fait la putainerie avec ta mère. Le faux bien là, j'ai baisé ça avec ta femme. Toi, Nyat Barano, regarde mon pauvre prisonnier. Si tu es un homme de sang au Cameroun, un chien, un imbécile, tu pues la gueule, tu pues du cul. Tu dégages sur mon nom, je te bloque pas. Regarde, moi, j'ai fait l'amour avec ta femme, ta sapate de femme, ta chienne de femme, ta punaise de femme, ta pute de femme. D'accord? Une chatte qui pue. Quand tu encaches ta femme comme ça, là, regarde comme elle est en église comme ça, là, ça pue. Mais je n'ose même pas imaginer quand tu tournes le dos, quand tu pars travailler, une sapate, une chienne, une raclue, une imbécile. Regarde, moi, je n'ai pas peur de toi. Venez me dire ceci sur vous poser. D'accord? Tu es insulté qui? Nyat Barano, descend comme si tu es un homme, un laitine, avec ses mandibules racines, un chien, un connasse. Et bien, il dit un connasse, pas qu'une connasse, il dit un connasse. Tu entends ça? Ta chienne de femme, ton tas de graisse, elle ne ressemble à rien. Deux bêtes, deux foufous. Regarde, moi, Nyat Barano, descend comme si tu es un homme, même un chien, sale prostituée ta femme. Ta femme prostituée avec moi. Quand on la pèse, on la pèse. Quand on me donne le faux pied, on donne à ta femme le faux pied. Regarde, un chien, tu crois que tu peux me faire peur? Regarde, moi, un prisonnier ambulant. Regarde, comment tu deviens fou, ta femme devient folle. Tellement quand tu sors là, le moment que tu as train de t'occuper de moi, on a train de la baiser. Dis l'incassa, sois en train de l'enfoncer. Rien que si l'incassa l'enfonce comme ça là, le temps que tu t'occupes de Dolo Moulemba, le temps que tu viens écrire, le temps que tu as train de faire, on a train de défoncer ta femme. Et on défonce tes enfants dedans mélangés. On a train de les enculer, mon frère. Le temps que tu viens, oui, le faux bien, on vient de payer à ta femme, le faux bien. On vient de payer à ta femme parce que tous tes collègues taximans là, sois en train de baiser avec ta femme. Tous tes collègues taximans baisent avec ta femme, avec les faux pieds, mais elle ne peut pas te le dire, parce que c'est une chenasse, c'est une pétasse, c'est une connasse, et langue, et vous, mes pieds, et sac. Tout ça là, ta femme est dedans. Tout ça, ta femme est dedans. Tu peux venir insulter qui? Tu peux venir manquer de respect à qui? Et je suis debout quand je te réponds. Je suis debout. Regarde-moi, un prisonnier ambulant. Descends comme si tu as un homme. Regarde le kikinette, un petit kikinette. Ta femme te pèse. Elle oublie que ta femme te trompe dehors. Elle est obligée d'aller gnasse avec les autres taximans. Elle est obligée de parler one by one. Quand tu n'es pas là, le temps que tu as fait de perdre le temps pour m'écrire là, t'engages en train de baiser. On dit que les taximans sont en train de foutre ça dedans. Tous les taximans, oui, ta femme devient folle toi-même. Ta femme devient folle. Viens m'attaquer, vous croyez que j'ai peur de toi? Regarde-moi un prisonnier en pelant. Si tu es un homme, si tu as un pénis, si tu as les noyaux, si tu as les couilles, descends au Cameroun. Descends au Cameroun, tu te vois. Regarde-moi un prisonnier, tu es obligé de te cacher. Tu peux te faire voir. Regarde avec qui tu t'assembles. Une femme néante. Toi-même, tu es néant. Les gens qui n'ont rien servi en France. Un abruti, un con, un imbécile, un chien. Je suis prêt pour vous.
Tu me fais pas peur. Même ta femme là, le moment que tu es en train de baiser là, le moment que tu es en train de m'écrire, on est en train de baiser avec ta femme. On est en train de baiser avec ta femme. Oui, on est en train de l'enculer. On est en train de lui mettre ça où ça c'est toi. Oui, mais tu crois que quoi? Et tes enfants sont dedans, Agnès. Tes enfants sont dedans, oui. Tu n'as qu'à mettre, Agnès. Moi, j'ai les vidéos de ta femme. J'ai les vidéos de ta femme où, tous les taximans sont en train de la bouille. Mais ça dort, mon frère. Mais ça dort. Et puis, quand les taximans sont en train de bouillir, le moment que tu t'occupes de moi, là, mon chien, un imbécile, une personne qui n'a rien dans le cerveau, tu es un meilleur jeu de femme, tu es quelque chose, tu n'es rien là où tu te retrouves. Dans mon direct, avant de t'occuper de moi, on sent vraiment un homme ta dignité, un homme ta époque. Il faut qu'il m'aille à zout, même aller bouer lent, même aller bouer lent, une bonne femme. Maintenant, tu viens t'asseoir où il y a des femmes, hein. Mon père, tu viens t'asseoir où il y a des femmes. Tu oses venir m'insulter dans mon direct, mais tu es culotté, mais je te donne pas le lait, mon frère. Rika, où tu dis là? Les faux biens comment dire là? J'ai fait les faux biens avec ta femme mélangée. Parce que là, là que tu es en train de m'écrire là, les taximans sont en train de bouillir, tes collègues sont en train d'enfoncer ça à ta femme, dans la nuit, dans le cul, dans le nez. Ils enfoncent ça où tu penses. Ma descend, mon père descend au Cameroun. Et t'appelles pas mon père, ma, et t'appelles une femme, parce que tu es au direct d'une femme. Tu n'as même pas honte, un chien. Rika, va consulter toi-même, c'est toi qui. Ne lui mettez pas les têtes rouges, ouais. Je vais vous bloquer. Ne mettez pas à ce bandit de grand chemin, à ce connard, à ce sorcier, à un autre diable, Lucifer. Ne lui mettez plus les têtes rouges. Je m'engage, j'ai le souffle, j'ai le cardio pour ça. Je vous en supplie, ne lui mettez plus les têtes rouges. Je veux m'arrêter que je m'en charge. Il a fait quoi ici là? Tu n'as pas honte? Tu viens faire quoi dans le direct d'une femme? Ça veut dire que tu es une femme. On te bouille, on te casse. Parce que même le taximan là, au lieu de prendre ta femme, ils ont plus parfois de bloquer ta femme. Ils viennent chez toi, ils te concaxent ça. Concaxent. Parce que là, pour le moment là, tu n'es pas venu. Regarde, dans le direct de qui? De Ndolo Moulema. Tu te rabaisses à ce niveau là. Tu n'es plus à reviste. Tu n'es plus à revouste. Tu ne fais plus la reviste. Tu viens faire quoi dans le Congo ça des femmes, ya? Tu viens faire quoi dans le Congo ça des femmes? Tu vois ta femme ici? Je ressemble à ta femme? Ta chatte, ma chatte ressemble à ta femme? Ya, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu viens faire quoi ici? Je ressemble à Tata Lolo? Est-ce que je ressemble à la veuve? Est-ce que je ressemble au stage qui tu peux partir? Regarde-moi un imbécile. Regarde-moi une personne. Regarde-moi un prisonnier ambulant. Va au Cameroun si tu es un homme. Va au Cameroun. Va à l'ambassade ici en France. Viens, Barano. Viens ici en France. Viens, tu ancres là, à l'ambassade du Cameroun. Si tu as le couille, si tu as dit que, si tu as le banzizi, si tu as ça. Mais comme je connais que tu n'as pas le pénis, même le pénis, tu n'as plus là-bas. Tu es devenu femme. Tu as transformé ton pénis à le pénis de la femme. Tu as transformé ton pénis à la chatte. Parce que maintenant là, tu n'es plus un homme. On te couille partout. On te donne les faux biais. On couille ta femme. On couille machin. D'accord? Ok? Reviens encore. Tu crois que tu peux faire peur qui? Oh, j'aime. Il dit que, tu dis que quoi? Que j'ai mes dignités, c'est tout ce que tu peux faire, Nia Barano. Mastique-toi avec ça. Bronle-toi avec ça. Il dit que, reste ça, fais ancrer ça dans ton nez. Toi, Nia Barano, fais ancrer ça dans ton nez. J'ai le souffle pour vous. J'ai le cardio pour vous. Vous ne pouvez pas me piétiner. Vous ne pouvez pas m'étouffer. C'est toi qui connais. Aïe. Vous ne pouvez pas m'étouffer. Ne le mettez plus les têtes rouges. Ne le mettez plus les têtes rouges. Mère, c'est quoi ça? Pardon, mémé, moi je ne bois pas. Mémé, tu me connais déjà, pardon. Mémé, pardon. Je suis à fleur de peau, je peux te ramasser en même temps, ma mère. Je te respecte, pardon, ma mère. Ma mère, je te respecte. Je, pardon, je ne bois pas, je ne fume pas. Depuis que tu me connais, je n'ai pas besoin de boire pour être dans cet état-là. D'accord? Pardon, mémé, ne ramasse pas une balle perdue. Ma mère, je te respecte beaucoup, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de boire. Quand on m'attaque, quand on attaque mes gens, je me défoule, j'ai pas besoin de boire. Vous connaissez mon tempérament. Vous connaissez que je suis impulsive. Je n'ai pas besoin de boire pour me retrouver dans cet état-là. D'accord? Voici l'eau que je bois ici, mémé. Voilà l'eau. Et ça me suffit largement. C'est bon pour la santé. Je ne suis pas décrite comme Nyad Barano qui vient là. Regarde mon connard comme ça. Tu dis que quoi? Que j'ai baisé avec les faux pieds. Dis que ta femme à l'heure là. On est en train de la gnasse avec les faux pieds. Tous les taximans sont en train de lui mettre que ça où il faut. Dis que les taximans sont en train de l'enfoncer ça où il faut. Elle a une chatte pourrie, une pourriture, un déchet. Dis que elle veut sa chatte frelatée. Viens encore. Tu parles pourquoi? Nyad Barano, viens non? Tu écris non? Nyad Barano, viens écrire. Viens, tu crois que j'allais fuir? Regarde-moi un homme. Tu dis que tu es un homme, tu es une femme.
On a coupé le mbanzizi. On a mis le zizi à la place de la chatte. Maman, dis que tes collègues sont en train de te concacter ça tous les jours. Tu es incapable. Parce que tes enfants, que ta femme a là, ce n'est pas tes enfants. Ces enfants bâtards. Ces enfants bâtards. Oui. Ces enfants bâtards. Les enfants qui ne connaissent même pas leur père. Parce que tu n'es pas leur père. Dis que tu as le pénis à la place de la chatte. Parce qu'on concacte, c'est ça. Rick, il n'y a plus rien sur toi. Regarde comment tu étais, regarde comment tu étais maigre. Avec le que chienne, le que salope qui est là-bas, qui est où je suis là. Le demain, qu'elle sorte, je suis là. Je suis chez elle. Si elle est une femme, qu'elle sorte. Je suis chez elle, je suis à Rouen. Elle n'a qu'à sortir. Si elle est une femme, je vais la concasser le cul elle-même. Vous me connaissez, vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que j'ai peur de vous? Là, mon chien, va à l'hôpital et va te faire soigner. C'est toi qui devais te faire soigner parce que c'est toi que ta tête ne tient plus. Là, mon bâtard, dès qu'un enfant cotisé par un diable, dès que ta mère t'a raté, le d'enfoncer dans le niveau de la chatte, on a enfoncé ta mère ailleurs. Là, mon imbécile, tu es venu faire qui? Là, ta mère pourrie, dès que c'est ta sale mère pourrie dans la tombe. Une imbécile, elle devient bête maintenant dans la tombe. Un chien. Tu vois, j'ai peur de toi. Tu viens de le dire de qui? Tu viens de le dire de qui? Tu veux me manquer de respect? Hein? Tu me manques de respect? Regarde mon prisonnier ambulant. Tu peux descendre au Cameroun, tu es là. Là, comment tu es en train de punir ta famille? Là, comment tu es en train de mettre ta famille dans tous ces états? Tu es malade? Hein? Tu es malade? Regarde, il y a quand même me menacer que tu as mes vidéos. Regarde mon chien. Un gars qu'on a abattu. Tu peux sortir, tu es là. On te tabasse correctement. On n'a même pas pitié de toi. Regarde mon sous-homme. Tu ne sais bâti quoi? Tu as fait quoi depuis que tu es en France? MST, MST, tu es parti avec ça où? Chien, déchet, pourriture. Regarde-moi ces maigres fesses. Les hommes ont quand même un peu les fesses, mais toi tu n'as rien. Tu es tellement noir, tu es un sale homme. Il dit que tu es tellement sale que tu pues à distance. Mon frère, il a chalé, même un peu de parfum. Là, comment tu ressemblais quand tu étais avec celle-là? En Belgique, là-bas, là. Deux bâtards, deux chiens, deux déchets, deux pourris. Personne pour remplacer l'autre. Que personne pour attraper l'autre. Vous croyez que parce que je suis là, lui, comme j'ai donné le moulin, non, restez tranquille. Vous voulez museler qui? Vous voulez museler qui? Moi, je reste tranquille. Je vous prends, vous toutes. Mais j'ai dit que je choisis qui je réponds. Je répète encore, je choisis qui je réponds. Donc, toi et toi qui viennent là, avant que cela vienne encore me concasser là, voilà, au revoir. J'ai fini de te laver. Voilà, bye bye. Voilà, et t'es banni. Black Beach a dit qu'on ne bloque plus, on bannit et la personne ne revient plus. Je l'ai banni. Voilà, j'ai fini avec toi. Reviens encore si tu te permets. Tu te crois pour qui? Tu ressembles à ta femme, ma chatte ressemble à la chatte de ta femme. Est-ce que tu vois qu'elle ressemble à tes bâtards d'enfants, tes enfants cotisés qu'on ne sait même pas qui a piné ta femme pour avoir les enfants là? Mon chien, un rat de goût. Il est un imbécile, une personne qui ne sert à rien à la société. Va au Cameroun si tu es une femme. Va au Cameroun si tu es une femme. Pas un homme, mais va au Cameroun si tu es une femme. Un moyen chien, un déchet, une personne qui n'arrive même pas à descendre pour bien lécher la chatte de sa femme. Il vient me parler. Hein? Va à l'ambassade du Cameroun, va à l'ambassade ici en France. Tu as un homme, toi? Là, moi, c'est mandibule raciste. Il ressemble à un criquet. Là, il ressemble même plus à rien. Là, comment tu as vu en Belgique là-bas? Là, tu avais un peu le corps. Tellement tu maigris avec le sida. C'est là que tu as transmis le sida. Dès que deux sidéens, des imbéciles, des gens sans réfléchir, des sous-femmes, des gens qui n'ont aucune. Dès que je ne sais pas s'ils rêvent même. Il fallait vous niaiser là-bas à deux. Vous transmettez les maladies parce que vous êtes bien à deux. Des imbéciles. Tu es menacé qui? J'ai tenu deux. Toi, on n'a pas ta part? On n'a pas ta part, toi. Non, moi, un imbécile avant une petite kikinette. Il dit que tu n'as plus de kikinette. Tu as une chatte. Parce que tu viens t'éclairer avec qui? Merde, j'ai percé. Regarde, mon chien, sans que tu aies fini. Toi, un chien. Une personne qu'on a connue. Un combattant. Tu viens m'insulter. Moi, dans le moulin, mais j'ai percé. Je suis la star du moment. Je suis la star. Toi, Niet Balano, un monsieur de MST. Un monsieur de comment on appelle ça? Tu n'es même pas la personne de Pobia. Tu es la personne de Kanto. Tu es descendu aussi bas pour venir reprendre dans le moulin, mais on peut faire ça, Seigneur. On peut faire ça. Je vous terrasse à quel niveau? Je vous terrasse à quel niveau? Toi, le voleur, le bandit, le dieu. Un taximan, c'est le travail que tu es venu faire en bing. Ça t'a apporté quoi? Les accidents partout. Pourquoi tu ne meurs pas sur la rue une fois qu'on quitte ça? Hein? Tu me réponds, moi?
Moi, ça veut dire que j'ai percé. Si toi, tu viens t'asseoir, une personne de MST, une personne qui, je sais pas, on attendait que Nya Barano, il interdit les gens, de faire les spectacles. Il interdit aux gens que oui, vous ne venez pas ici. Oh. Tu viens, tu descends, tu viens sur le direct de Ndolo Moulema. Ça veut dire que j'ai percé, maman. J'ai percé. Même les n'importe quel raclus, quel déchet. Viens s'occuper de moi, maman. Hein? Regarde-moi celle-là. La chique là, c'est qui ne ressemble à rien. Elle ressemble à Watalo. Elle ressemble à Watafoufou. Oui, Ndolo Moulema. Bah, je la connais pas celle-là. Bah, je sais pas, je vois sans ses coupures. Je vois sans ses coupures partout. Bah, je sais pas. Vraiment. Hein. Bah, moi, je te dis, hein. Mais tu devais te cacher, hein. Franchement, hein. Après ce que j'ai entendu là. Oh! Là, moi, une personne. Tu crois que tu as un cerveau? Toi, les trois tribunes. Tu crois que tu as un cerveau? Regarde une personne qui est sous femme que tu peux supporter. Une femme dans le néant. Le mari est parti. La bague qu'on a offerte, c'est la gluta qui a acheté. Regarde une femme que tu peux supporter. Tu n'as même pas honte. Tu n'es même pas douala parce qu'elle ne peut pas dire que tu es douala. Parce que tu es raciste. Et que tu es raciste jusqu'à tu es frelaté. Toi et toi, tribienne. Une petite imbécile. Une chenasse. Framponneuse. Tu m'as encore ça là, tu te bloques. Voilà, je te supprime. Parce que si là, je ne suis pas qu'un de nous le lait. D'accord? Parce qu'on quand on me fait ça dehors, vous n'êtes pas là. Ne viens pas faire la carte de blague là. Quelqu'un va prendre les balles perdues ici. Moi, je vous ai dit là. Quelqu'un va prendre les balles perdues. C'est là qu'il ne va même pas connaître pourquoi. Et quand il va insulter le cul, quand il va ramasser ses parents. Parce que là, là, je ne blague pas. La personne qui est contre moi là, ne venez pas dans cette direct. La personne qui est contre moi ne venez pas ici là. Oui. Parce qu'à l'heure-ci là, je ne rigole plus. Je ne rigole plus. Parce que moi, ne me donne pas le lait. Ah bon, hein, en J4. Maman, je regarde. Est-ce que je regarde là-bas ma quota en J4? Est-ce qu'elle regarde? Merci, ma mère Nadine Wande. Il demande, regarde-moi toi, les toits triqués. Regarde-moi un homme, regarde comment tu veux mettre le dévolu sur moi. Incapable qu'un homme blanc te baise. Tu as besoin d'aller prendre le mec à main, pas si flippe pour te donner encore la maladie encore sur toi. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas une femme. Rien que quand tu portais caresser, tu me lançais comme ça là. Et tu viens te faire t'asseoir. Oui. Comme si elle ne pétait pas. Comme si elle ne chiait pas. Comme si maman. Comme si c'est ta mère s'est mal accouchée dans l'eau de Javel. Ou dans l'eau de mer. Que la mer est tellement claire. Oui. Non, je la connais pas. Mais je l'ai vu dans les coupures. Maman, regarde-moi une imbécilote. Donc tu aimes prendre les vues aussi sur moi. Depuis que tu es sur la toile là, c'est maintenant que tu es au courant de mes affaires. Regarde-moi une sapac, une petite pute, une prostituée à deux balles. C'est maintenant que tu es au courant de mes affaires maintenant. Attends, on a mis les têtes rouges à quelqu'un là, on va bloquer. Voilà, j'ai banni. Ah, ma black beauty. Ma black beauty dit que non, hein, tu ne bloques plus. Tu bannis. Tu as pu revenir pas. Bon, je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait assez clair là, comme ça. Là. Elle dit que toi, Patrice Samel, j'ai fait le direct, c'est pour toi. Je t'ai dit que tu as fait le poste. Tu défendais une femme comme quoi une femme a accouché. Elle dit que tu devais mourir à la place de la dame. Parce que quand tu t'es mise à l'aise, voilà. Quand tu t'es mise à l'aise sur moi là, tu te contentes, non? Quand tu as insulté mon mari, tu te contentes, non? Maintenant qu'elle dit que tu dois mourir, maintenant tu pleures, tu fais les pleurs de bol et tu multiplies les directs, tu multiplies les postes, tu multiplies tout. Yeah. Adam, on peut faire ça comment? Hein? On peut faire ça comment, ma? On peut faire ça comment? Non. Mais dis donc, ça devient quoi? Ça devient le harcèlement? Je vois le criquet qui n'a jamais parlé de moi depuis qu'elle est sur la toile. Criquet! Regarde-moi ces maigres feux, tu ne ressembles à rien, tu n'es même pas une femme. Tu es le bâton. Regarde-moi une pourriture, une poubelle. Mon frère, va que ton gars te gnasse un peu, mais qu'il te touche un peu. Mais comme c'est un vieux type, un laid type, même le bas là ne répond plus. Les blancs frattés, les blancs que vous prenez dans la poubelle, qui ne servent plus à rien à la société. Je t'assure, samedi. Je t'en suis, vous comprenez normalement qu'elle s'en dit. Ma puce, tu veux que les injures que d'autres sur lui-là, c'est facile. C'est normal qu'il revient encore avec notre faux profil, mon mouquet qu'il est King Kong. Mon mouquet que c'est un homme. Il a une chatte, l'air d'avoir le pénis. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez descendre plus bas?
Vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez aller où vous voulez aller? Mais pour le moment, je n'affiche personne. Viens afficher. J'ai été humilité. Tu n'as même pas honte. Une personne qui a une sale femme. Sa femme pue la merde. C'est un déchet, sa femme. Et c'est lui qui vient dire qu'il a une nudité. Tu n'as pas honte. Tu crois que tu as une femme à la maison? Tu oses dire une autre femme. Toi, tu as une. Soi-disant, tu as une femme à la maison. Et tes bâtards d'enfants, tes bâtards qui sont en train de te cotiser par un cassa. Des faux biais. Parce qu'en plus, encore, non, c'est même donné des faux biais. Et concasser ta femme. C'est-à-dire que sans préservatif. Parce que tes enfants bâtards qui sont à la maison là, c'est pas tes enfants des. Va chercher les vrais pères des enfants. Va chercher les vrais pères. Parce que toi, tu passes ton temps avec un taximan. Il dit que tu as, il dit que la roule là, tu as fini en tout là-bas. Comment t'as raté? Néanmoins, une personne, il est fier de dire qu'il a ma nudité. Il est fier de dire que j'ai tes photos. Néanmoins, il est comme perdu, un raté. Tu n'es même plus un homme. Il dit que tu ressembles à un zombie. Il est comme une perdu que ta femme, c'est lui qui est à nous. Il me fout. Je vais ramasser ta femme. Pour le moment, je la laisse encore. Reviens encore sur moi. Reviens encore. Je veux ramasser ta femme. Il dit que tu m'insultes, j'insulte ta femme. Tu m'insultes, j'insulte ta femme. Il dit que je me venge sur ta femme. Chine. Avec sa, ta femme avait une chatte racie. Avec ta femme, avec une chatte flattée. Tu n'arrives pas à toucher. Tu viens rincer tes yeux sur moi. Rince, maman, mon père. Rince tes yeux sur ma chatte. Chine. Et ça ne chauffe pas. Je vous laisse, les amis. Prononcez-moi encore. Je vous ai dit ici là que vous pouvez m'insulter. Faites de moi ce que vous voulez. Parce que pour vous, je le mérite. Et j'encaisse. Mon mari là. Quiconque là. Qui est là comme ça normal. Parce qu'à mec, lui là, je ne peux même pas répondre à mec, parce que lui c'est un cadavre ambulant. À mec, tu es déjà un cadavre ambulant. Parce que quand on te voit, tu ne ressens plus à rien. Mais tu essaies de faire genre, tu es quelqu'un. Tu n'es rien à mec, même toi-même là. Dès que je dis que tu me vois là, dès que tu m'avais les mains à mec, tu ne me peux pas. Fais tes bruits là. Parce que tu es un peureux. Toi, mec, fais tes bruits là. Comment c'est TikTok là-bas? Fais tes petits bruits sur TikTok. Le jour que toi tu as encore me prononcer encore, j'envoie les, il est que j'envoie les gens sur toi. On finit avec toi, on quitte ça là. Dans mon cadavre, dans mon pacifiste, avec son clan racine, à Yanalo. Tu te prends pour qui? Vous croyez que vous pouvez me parler comme vous voulez? C'est moi qui ai débloqué le téléphone là. Avec son corps, ses lèvres, on dirait là, le bang bang. Regardez-moi une personne, un personnage, un sous-homme qui est venu sur terre, on ne sait même pas ce qu'il est venu faire. Un rate, un SIF avec son con, Dieu, le criquet qui ressemble à l'autre pétasse de femme là qui manque ses nudités de l'autre côté là-bas où on achète à 10 euros, à 1 euro sa nudité. Il vient venir me parler. Quand tu vois, quand tu vois mon gars est posé. Toi, tu crois que tu peux ressembler à mon gars, toi, un mec camé, un imbécile, un rat d'égout. Toi, tu peux ressembler à mon gars, moi. Quand tu vois mon gars, toi, un mec camé, quand tu le vois, tu n'as même pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui, pas syphilis. Quand tu vois mon gars, tu n'as pas peur de lui. Non, moi, les chiens comme ça, là, dors en devant mon gars. Tu clignes ton nom. Mais pas, tu vas manquer tes petits maigres muscles là. Tes petits maigres muscles là. On dirait le bâton. Il est quelqu'un qui ne ressemble à rien. Il ressemble seulement à. Il est vide. Et quand on regarde ses yeux, une personne qui est vide, qui n'arrive même pas à dormir, tu passes ton temps à chercher que l'argent. Que l'argent. Que l'argent. C'est ça que tu es venu chercher ici là. Hein? Hein? C'est le clavier que tu es venu faire ici là. Dormir sur Facebook. Dormir sur TikTok. Tu sais que tu es. Les yeux sont en dedans. Tu es toujours la maman. Sais-tu que quand tu as l'argent? Quelle qualité d'argent? Et tu fais quoi avec cet argent-là? Et tu fais quoi avec ça? Pas syphilis. Un dindon. Un soudon. Une pourriture. Un élément à déchirer. Un élément à ne plus exister. Tu devrais même plus exister où tu es là. Il n'est même pas français. Le permis que tu as même là, me demande même quel permis tu as. Des petits raclus, des petits sous-hommes, un SIF, une personne qui ne sert à rien à la société, me demande à quoi vous servez dans le pays ici. On devait vous. Et comme tu as dit qu'on a concaxé tout ton chou là, quand tu traversais. Maman, on t'a pas bien bousillé le cerveau. On devrait encore te le faire. Un mon imbécile, un chien, un rat de goût, à Yana, une larme, un tout, un soit. Tu vois, tu peux me parler quand tu veux, comme tu veux. Tu te prends pour qui? Parce que tu as mes nudités. Tu crois que je peux avoir peur de parler de toi? Sors ça, on voit mon frère. Sors ça, on voit qui c'est ça.
Ah, mon imbécile, un rat d'égout. Tu devais te cacher les rats. On ne devait même plus te voir. Tu vois, tu me fais peur. On a mis le tête rouge sur quelqu'un ici, là. Et pourquoi on te met la tête rouge, alors? Ah, voilà. Eh, ma Black Beauty. Mais moi, tu m'as donné un bon truc, hein. Ma Black Beauty. Ma Black Beauty m'a dit que... Ma mère à moi dit que... Non, on ne bloque pas. On bannit. La personne ne revient plus. Regarde-moi. Regarde-moi différemment. Regarde-moi différemment. Comme il sera la veuve. Quand je bloque, ça me fait du bien. Aïe. Quand je bloque, ça me fait du bien. Aïe. Elle me bloque. Aïe, aïe, aïe. Zuckerberg. Zuckerberg. Comme tu as inventé un truc, hein, pas. Quand ça ne va pas, quand quelque chose ne te plaît pas, on bannit. On appuie comme ça. On appuie encore. Voilà. Et ça ne chauffe pas. C'est bon pour aujourd'hui, là. C'est bon pour aujourd'hui. Mon silence n'est pas synonyme de faiblesse. Mon silence n'est pas synonyme de faiblesse. Je me calme parce que j'ai entamé quelque chose. Et ça ne vous dit pas que quand je dois venir vous rosser, je viens vous rosser. Attendez, je vais aller à l'étude des injures. Je vais aller à l'étude des injures. Je vais vous ramasser one by one. Un seul direct de 1h30, je ramasse 5 personnes. Oh, dis-moi, tu dis quoi, dis-moi, regarde-moi ma yamseur, maman bébé, regarde-moi une que suceuse de chatte, des bangando, des raclus, regarde-moi maman bébé, regarde-moi ma yamseur, elle est tout faux comme ça là, regarde-moi, elle est tout comme ça, ma yamseur, tu dis quoi, et dis-moi, vraiment, Et dis-moi, vraiment, hein, ma belle-sœur, et dis-moi, vraiment, mais elle est partie de l'autre côté là-bas, il faut aller voir, elle se prend pour qui? Est-ce que c'est moi qui ai fait que vraiment maman pépé l'affiche? Elle ne voulait pas se calmer. Dis-moi. Elle croit qu'elle est quelque chose. Elle me fait quoi? Elle a affiché mon fils, non? Elle a affiché mon fils. Elle croit que moi aussi j'ai affiché aussi son mari. On m'appelle partout. On dit que nous allons mourir là. On m'appelle, sa famille m'appelle. Pourquoi? Elle m'a étouffé. Attendez, je respire. Oh, tu sais quoi, dis-moi. Il ne manque pas. Tu peux manquer de respect. Tu peux me manquer de respect. Dis-moi. Oui. Ma bébé. Mayam. Oui. Et toi qui viens, ma soeur, n'a pas volé, elle est pas comme ça, hein. Ouais. Elle se prend pour qui? Vraiment. Cette petite fille, hein. Je lui ai déjà parlé. Oui, elle dit que cette petite fille-là, je suis fatiguée. Je lui ai dit que, arrête avec Pépé. Elle ne veut pas arrêter avec Pépé. Elle continue avec Pépé. Mais c'est son problème, hein. Maintenant, voir son mari. Sa famille m'appelle. Ma famille m'appelle. Oui, attendez, me calme. Vous prenez pour qui? Ma pépé, Antoine Molène est de Paulet, tu es sous peau. Ah, oui, Azambé, on prend le coup de bout, oui. Aïe, oui, Mayam. Il y a celle de la maman, deuxième là. Mais c'est petit filet, quoi qu'elle ait quelque chose. Mais elle n'est rien. Elle a affiché mon enfant, non? Elle a affiché mon fils ici, là. Elle dit qu'elle va aller relever les tombes de mes parents. Donc tu as aussi peur, ma? Donc tu as peur? Qu'on apprenne la photo? On peut pas prendre les tombes. On filme ta maison.
Qu'elle essaye de passer, qu'elle veut commencer. Qu'elle assume. Qu'elle assume ça. Oui. Oh, ma. Ouais. Ma. 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 Quand tu respires comme ça, tu sais que ça va? Tu sais que ça va? Et je n'ai dit que je ne suis pas bien dans ma tête. Ça va? Mieux ne vous parle plus. Laissez-moi tranquille. Vraiment, hein? Elle dit que le pire, regardez, hein, pour qu'elle soulève comme ça, là. L'autre fait ça. Elle fait ça. Nous a qu'elle fait. Regardez, nous a qu'elle fait. L'autre fait ça. Ma, fais comme ça. Olé! C'est comme ça que tu fais. Olé! Olé! Tu es coincé. Olé! Franchement. Et je suis quand tu dis que fais comme ça, la main. Fais comme ça. Et ce que tu fais. Dès que tu fais comme ça. Poum! Oui! J'ai raté. Aïe! Oh, quand tu... Viens encore faire deuxième exercice. Tu soulèves encore le pied. Poum! Aïe! Maman, elle dit que, maman, dès que quatre semaines, elle fait que poum, 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 maman. Tu l'as tué de la chatte, ma chérie. En été là, risque de frottement, risque de frottement, maman. Hey! Courage au gars qui descend là-bas, parce que ta graisse n'a plus de nom. Les frottements, risque même quand tu me l'en dis ensemble, que ça, c'est noir. Maman, c'est noir. Regarde, dans la tête de Nolo. Aïe, je suis morte. Maman, ça m'a dépassé. Moi, je suis allée me cacher dans la chambre. Maman, je viens de réveiller. Voilà. Rika. Marie-Noël. Mouf. Rika, toi là. Hé, dis-moi. Hé, dis-moi. Hé, tu vas gérer. Maman, quand tu prends soin d'Edimo, on dit que Edimo, c'est le diable. Quand le diable va t'arrêter, maman, tu vas t'étouffer comme ça. Maman, tu vas dire que tu as appelé qui Edimo? Sérieux? Maman, elle est là comme ça, hein? Ouais. Attendez, je m'habille en smooth. Je m'habille, les gars, là. Vous connaissez les gars qui mettent souvent les trucs ici, là, comme ça, là. Après, ils sont habillés. Et quand ils bagarrent, on les arrête ici, non? Quand ils bagarrent, on les arrête ici, là. Je m'habille comme ça, là. Il faut que je fasse une petite vidéo pour toi. Toi, là, à quoi tu ressembles? Parce que quand on touche ton corps, là, ton corps ne ressemble à rien. On dirait que les fers, c'est les fers qui sont partis, maman. Et c'est comme le gars, là, quand tu montes sur lui, tu dois les croiser comme ça. Est-ce que le pauvre mari... Doucement, va doucement. Le pauvre, le de ressentir la chair. Ouais. Le de ressentir la chair, maman. Rike, laisse. Le de ressentir la chair. Maman, le de ressentir la chair. Le gars, c'est comme ça, là. Les gars, c'est comme ça. Serré comme ça. Ça ne bouge même pas. Regarde comment, même quand je tape, regarde comment c'est dur. Regarde comment ça fait rien. Mais regarde, regarde comment on fait ça. Regarde comment ça fait. Tu vois la différence de la fessée? Est-ce que tu vois la différence de la fessée? Quand c'est dur, quand c'est posé comme ça, regarde, maman, même ton mari a mal au doigt. Les mains doivent chauffer. Alors que quand mon gars doigt la touche, mon gars doigt là, le gars fait ça. Oui, bébé, tu vois la différence? Pour toi, est concaxé. Pour toi, est dur. Maman, j'ai mis encore le chevalet. Tata, maman. Je sens que c'était dur. Mais. Et de casser en même temps. Ouais, mémé. Mémé, il ne faut pas les balles perdues. Elle dit que mémé, je t'aime beaucoup. Hein. Mémé, parce que j'aimerais avoir ton karaté là, ma. Je t'aime beaucoup pour ton karaté là. Tu as un karaté dur, ma mère. Il dit que je ne voudrais plus être molle là comme celui-là. Je mérite du comme toi. C'est ça que j'adore sur toi. Tu es un karaté du mémé. Il dit que c'est pour que même moi, c'est ma ta plan, maman. Je vais les allumer one by one. Tu es une femme de karaté, une femme de poigne. C'est pour ça que comme ils savent qu'ils ne peuvent pas te parler. Ah ah. Et ça ne chauffe pas, maman. Voilà. Maman, elle dit que j'ai banni un tout. Un tout. Un tout. Maman, t'as cru que tu m'as appris quelque chose. Tu es du quartier. Un tout. Je vais finir avec. Non, je suis du quartier. Non, c'est bon. Tu coupes, tu viens me voir. Oui. Bon, je vais vous laisser sur ce. J'espère que j'ai, comme je vous ai toujours dit, je clash avec l'humour. Dans mes directs, on ne s'ennuie pas. Et comme je dis,
Je redis encore. Ma, je suis chez toi à Rouen. Je suis à Rouen. Sors de chez toi, je suis à Rouen. Je te lance le défi à domicile. Je te lance le défi à domicile. Tu me suis. Ma, même si c'est ça, même si c'est ça, soulevé, j'ai le collant en bas. Même si elle met le jean, j'ai le collant en bas. Oui, parce que chez toi ici là, je suis prête à tout moment. Ma, je suis chez toi. Ne dis pas que tu connais, non? Elle me lance pas le défi, non? Là, elle ne demande pas de venir à Paris. Je suis chez toi. Viens m'occuper. La terre natale. On a déménagé pour Rouen. Hein. Viens me trouver ici là. On a déménagé pour Rouen. Elle ne peut pas sortir, Stallone. Elle ne peut pas. On a déménagé pour Rouen. Viens, ma. Elle ne peut pas, mémé. Pourquoi vous mettez à mémé les terres rouges là? Je vais vous bloquer ceux qui ont mis les terres rouges à mémé. Je vais vous bloquer. Attendez qu'elle finisse le direct. Je suis chez toi, ma. Je suis à domicile. J'ai pris pour venir ici là. Sors si tu es une femme. Aïe. Sors, je suis venue te lancer le défi chez toi. Wonderful. Viens. Adam. Voilà, Sonia, je te bloque. Je suis madame. Voilà, voilà, regarde avec le faux profil. Voilà ce qu'elle te dit. Je vais bloquer. La personne qui m'a mis la tête de mort. Oui, elle je vais bloquer après. Moi, j'étais dans la chambre d'arrivée, maman. Je suis maintenant chez toi. Si tu es une femme, si tu as une chatte, si tu sais que tu es une femme, tu me dis que tu es un koukoum, pas devant ton miroir, là, comme tu sens parler là. Je suis chez toi maintenant. Tu sais où on habite, non? Donne-moi rendez-vous, ma. Donne-moi rendez-vous. Je suis là. L'ambassade là, seulement. Oui, donne-moi rendez-vous. Je vais te casser tes petits maigres pattes que tu as là. Quand il veut tenir ça comme ça, il te dose où il faut. Je te jure que tu as la tête de ma mère, tu ne vas plus jamais te relever. Yes, mais... moi, un malade manteau, une imbrise, il est qui me brrr. On ne passe mon temps à m'étouffer. Ndolo ne répond pas. Ndolo, hé, hey, qui bouffe? Elle est chez elle, qu'elle n'a qu'à venir. Laisse-moi tranquille, ne m'étouffe plus. Ne m'étouffe plus. Plus je m'étouffe, plus je viens, je lance le direct et devient zing zing. Oui, parce que je suis, mes neurones ne tiennent plus là-bas. Surtout quand il s'agit de celle-là. Je suis chez toi, sors, ma. Sors! Tu es une femme, donne-moi rendez-vous. Ce n'est plus que viens à Paris. Il n'y a plus de Paris. Viens me trouver ici sur place. Viens me trouver sur place. Dis-moi où tu es. Je viens, ma. Je viens. Et ce que tu me suis, non? Tous tes kinkawouwou, des pisseuses, des péteuses, des chasseuses. Rika viennent. Elles peuvent venir t'envoyer une nouvelle. Donne-moi rendez-vous. Donne-moi rendez-vous. Mandolomon, ne sais pas ce que tu as mangé. Je ne demande pas de venir à Paris. Ne viens plus à Paris. Aïe. Viens. Tu prends l'incassa, je prends l'incassa. Tu prends un doumgueur, je prends un doumgueur. Tu viens avec les mains, rien que toi et moi, je viens avec les mains. D'accord? Rien que tu viens avec le cassa, je suis avec le cassa parce que je suis préparé. Je ne suis pas venu chez toi par hasard. Je ne suis pas venu ici au hasard. Rico, dis-moi qui tu es, de direct. Rico, qui tu fréquentes. Rico, même si t'avais les Dumgur, je suis les Dumgur. Si c'est un Kassa, nous tous sommes en bain. On connaît où on les prend. Je suis dans ton fief. Lance-moi le défi. Lance-moi le défi, je suis dans ton fief. Vous aimez Ya que l'eau a brûlé la maison et non le feu. Et là, pourquoi, comme monsieur tranquille, j'ai peur de vous. Vous passez mon temps à m'intimider. Vous balancez les directs. Vous lancez les directs. Vous me caricaturez. Vous caricaturez mon mari. Vous balancez. Vous malaxez. La personne qui a l'esprit faible n'a qu'à quitter Facebook. Vous croyez que je suis calme? Quand elle veut revenir sur celle-ci-là. Quand elle veut revenir sur elle. Maman. Vous dites que je m'acharne. C'est faux, ça avec le vrai acharnement. Laissez-moi le temps. Et ça serait non-stop. Je dis que je vais que tous les jours poser sur elle. Tous les jours poser sur elle. Là, je vais vous apprendre ce que c'est que l'acharnement sur une personne. Vous allez vous respecter le code. Ben, faites encore vos petits. Il faut la laisser. Elle ne revient plus à des clashs.
Il faudra laisser. Elle est poisseuse. Il dit que même avec les mains, je prends la salope là. Parlez pour vous, hein. Et venez me crier à Nibos que ma baisse, vos petits flatteries que vous faites sont à deux balles. Hey, combien de personnes? Non, maman. Ah. Hey. Vos petits flatteries à deux balles. 360, il est déjà à plus de 300. Vos petits flatteries à deux balles. Je ne suis plus dedans. D'accord? Arrêtez de venir toujours me dire que Ndolo, calme-toi. Ndolo, fais comme ça. Ndolo, mais, oh, oh. N'importe quel sapac, n'importe quel raclu, un rat de goût, un élan, un tuy lang, un boile lang, un misère lang, un bail lang. Viens s'asseoir pour parler de Ndolo Moulema. Vous voulez qu'on vous aide qui donne les vues à tout le monde? C'est moi la star de l'heure. Aïe. Pourquoi vous voulez m'étouffer? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi vous me harcelez? Aïe, aïe. Pourquoi vous me harcelez? Mais je dois donner de l'importance. Mais vous croyez que je peux répondre à n'importe qui, à n'importe quoi? Ben surtout que tu n'es plus du quartier. Ah ben j'ai déménagé. Ah, t'as déménagé. Je suis plus du quartier. Mais je suis dans le quartier des Ostendines. Des Ostendines. Mais vous prenez pour qui en fait? Eh ben dis donc. Mais vous croyez que vous êtes où? Oh là là. Mais Ndolo Moulema, Ndolo Moulema. Mais putain, mais c'est mon mari qui m'a donné ce nom. Mais ben dis donc. Ça veut dire le cœur. L'amour et le cœur. C'est pas la haine. Ndolo Moulema, ça s'appelle pas la haine. Mais par contre, Ndolo Bobolo, elle c'est la haine. Ndolo Bobolo, ma racine, ma musclée, elle. C'est une sorcière. Tout ce groupe-là, c'est des vampires. Et faites très attention. Parce que one by one, là, ça dépend à quel moment. Non, 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 Stallone, je peux pas. Stallone, je ne peux pas aller à son adresse. Ma puce. Stallone, arrêtez de m'induire en erreur. Il faut arrêter ça, s'il te plaît, ma puce. Il faut arrêter ça, ma soeur. Il faut pas m'induire en erreur. Je ne partirai jamais devant sa maison. Si je le pouvais, je le ferais. Voilà Virus Lydia. Voilà Virus Lydia qui allait aider sa copine à bagarrer. Là, voilà qui fait 2 mois de prison. Ma chérie. Oui. Virus Lydia, oui. Elle allait sur TikTok là-bas, oui, les mêmes injures comme on est sur ma chaîne ici. Oui. Les mêmes injures, wang wang wang, donne-moi rendez-vous, wang wang wang, donne-moi rendez-vous, bam. Virus Lydia qui lève son corps là, laisse tous ces bambinos, pas défendre la fille. Là, voilà qui fait 2 mois de prison. Comment tu dis ici? Et avant de faire les 2 mois de prison là, comme elle est libre un peu là, elle l'a en train de les insulter là-bas, des hommes là-bas sur TikTok. Il t'assure. Oui. Mais attends, et là, comment je suis sur place? Allez, c'est celle-là, ça me connaît quoi? Je connais même son appartement, je connais le numéro de son appartement. Je connais son appartement. Oui. Je connais son appartement. Je connais où elle est. Mais je ne peux pas faire ce genre d'erreur. C'est grave, hein? Oui, ma yam sœur Aïssa, oui. Elle a fait 2 mois de prison pour le moment là. Parce que vous savez qu'on donne les dates, non? Avant d'aller en prison. Elle a en train d'insulter tout le monde là. Elle se venge depuis belle. Ah, papli. Moi, je suis venu faire quoi à Rouen, hein? Donc, elle va te dire, parce que j'ai peur de toi. Depuis que par là, tu as mis les étoiles, et lent. Même dans les blagues, je ne rigole pas. Tu risques de prendre les pots cassés que tu risques de regretter, je t'assure. Et là, là, quand je vais toucher ta mère, on va dire que oui, j'ai tué les mamans. Parce que c'est pour ça que je vais prendre les pots cassés. C'est pour ça que je vais prendre les pots cassés. Dans moi, dans le moulin, quand tu me regardes là, quand tu me regardes, je ressens même une personne frelatée. Peut-être que je ne m'exprime pas en français. Peut-être que je fais les fautes en français, comme on me suit tous les jours. Mais je connais encore mes droits quand même. Vous me demandez d'aller carrément sur place, aller l'insulter. Donc moi, je pars en prison pour vous. Qui va me payer pour l'avocat? Vous êtes malade. Donc moi, je vais risquer ma vie pour une personne qui a un cadavre. Si on se croise en route, oui, c'est neutre. Vous m'avez chez elle. Vous faites ça comment? Pourquoi vous aimez tromper les enfants de Troué? Yeah. Arrêtez de tromper les enfants de Troué. J'ai horreur de ça. Je ne suis pas une gamine. Hein. Je sais quand je pose mes actes. Je sais pourquoi je les pose mes actes. Hein. Voilà. Bah, c'est comme ça que vous êtes. Ndolo, arrête de clasher. Ndolo, calme-toi. Ndolo, calme-toi. N'importe quel rat, n'importe quel déchet, n'importe quelle pourriture, n'importe quoi, viens s'asseoir. Parler de Ndolo Moulema. L'autre qui est là-bas, Ndolo Moulema. Mais vous prenez pour qui, en fait? Vous croyez que je ne peux pas vous répondre? Mais je choisis à qui. Je dis que, je vous dis encore, il faut qu'on se comprenne très bien. Merde, un buzz peut durer comme ça. Un buzz pour durer comme ça. Jusqu'à mon nom est sur TikTok. Les gens font les directs sur moi à TikTok. Dis-moi que nos stars en bas, on parle d'elle à TikTok. Venez me dire qui. Je peux vous citer tous mes collègues là qui sont en bas ici. Je ne parle pas de grandes blogueuses. On parle de qui sur TikTok? C'est Ndolo. Hey, maman.
Qui m'a salement écrit sur toi, ma? Ma salon. C'est ça qu'on appelle crier, ma. Stallone. Ah, là, j'écris. Mais je parle normalement. Je suis pas devenue folle. Je suis encore normale. J'ai changé de quartier, hein. Bah, j'ai changé de quartier, hein. Là, je suis des Ostendines. Les Ostendines. Bonsoir. Eh, hey, l'amour est. Et moi, l'amour est. Ouais. Ah, merci. Merci, l'amour est. Vraiment bien rigolé, non. Mettez-moi au téléphone. Voilà. Non, je sais, je sais. Parce que vous savez, quand on clash, il faut faire de l'humour. Il ne faut pas que les gens sortent de là avec, oui, imbécile, les langues et tout. Il faut que les bilangues là soient avec le riz pour sortir aussi. C'est vrai, ce n'est pas éducatif. C'est vrai, c'est pas. On ne sensibilise pas. Là, on est à la sauvage, à la barbarie. Mais d'autres personnes, désolé, méritent ça. D'autres personnes méritent qu'on se retrouve là. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Les gens qui m'ont mis les têtes rouges, vous voyez que d'abord, la personne qui a mis. Nourrir les familles de mettre. Ah, bah oui. Maman, ça paye les factures. Hein? Le pas ma voisine disait que laissez-la profiter de moi, ça paye les factures. Tous les gens qui parlent de moi là, ça les paye les factures. Mais là, c'est moi qui paye les factures. Regardez toutes les pages. Maman paye que star comme ça là. Regardez toutes les pages. Regardez toutes les pages. Dio le moulema. Même les gens que je ne pouvais même pas imaginer. Oh mon temps, mof, j'ai percé. Quittez-moi là. J'ai percé. Comment tu vas manger à ta Pro Max? Ah, une longue la dose. Ah. Salam, salam. Mandiata promesse, papa, tu as choisi ton nom, la maman. Comment tu vas aimer, Makota. Bisous là-bas, là. Hey, Mandiata promesse. Non, ça y est, tu as dit. Après, c'est quoi, hein? Non, attends un peu, ma mère, ma Black Beauty. Il dit. Mandia ta Pro Max, et il manque coucou, dolo chou, et il manque les cœurs. Aïe! Mais le bout de ça! Le bout de ça, maman! Oui! Oui, maman! Et ça ne chauffe pas! Maman! On passe à autre chose! Mandia ta Pro Max! Hein? Coucou! Hey, maman! Ah, vous faites ça comment? Et ça ne chauffe pas! Hey, maman, piment. Vous voulez te mettre à ma place. Vous venez des choux. Vos collègues sur moi, vendeuses de piment. C'est nouveau, maman. Il y a toutes les femmes. Regarde-moi des petites femmes, frustrées. Sauf qu'il y en a qui vendent à un seul client. Je Wanda. Vous êtes là, vous faites. Maman, vous faites niasse. Du poisson et la bière et le piment, les envieuses comme ça. Voilà ça qui a fait deux immeubles. Non, allez faire pour vous et l'an me bi un tout un sac. Et toi, tu viens regarder un peu le direct de la rose. Apparemment, dit qu'elle a fait ton palin. La rose 237, Eric. Et toi, tu viens. Et toi, tribienne, avant de commencer à parler de mes immeubles, et toi, tribienne, je ne t'appelle pas ton nom. Je ne dis pas criquet, une souris, un rat. C'est ma peau comme ça. Hein? Je dis que toi, tribienne, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Vérifie d'avoir ta boutique là, si tu es en règle, d'accord? Avant de venir t'occuper de ce qui ne te concerne pas. Ma peau en règle. D'accord? J'espère que ta boutique là, quand je viens mettre les rats d'égout et je vais appeler l'inspecteur pour les insecticides là, j'espère que tu vas t'en sortir. Parce que toi, tu vas aller dormir. Je viens mettre les rats des cafards. Parce que c'est ton niveau là-bas. D'accord? Avant de t'asseoir, tu parles de mes immeubles et tu oses me dire qu'on ne sait pas ce que je fais. Aïcha Kamoaz, qui est ta voisine? Toi, tu sais ce qu'Aïcha Kamoaz fait, pétasse, chienne que tu sois. Toi et toi, Cribienne, tu aimes parler de mes immeubles? Tu as demandé à Aïcha Kamoaz, elle en a fait deux, plus que moi. Elle a acheté ici en France. Tu lui as posé la question, toi qui dis que tu as mis avec Aïcha Kamoaz, regarde-moi une pute, regarde-moi une prostituée. Tu as posé la question à Aïcha Kamoaz avant de venir parler de mes immeubles?
Ouais, il faut qu'on on appelle vraiment le service de machin pour voir avec quel agent tu as fait ça. Alors que tu as ta propre copine. Là, moi, une pétasse, une prostituée à 2 euros, une sapalogique. Tu ne poses pas la question comment elle a fait pour avoir son argent. C'est pour Ndolo Moulema que tu veux être curieuse. Là, moi, une imbécile, une encervelée, une pourriture. C'est ma part que tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir mon argent. Dégage-moi des femmes sans cervelle qui se font gnasse par les pénis des moineaux, des clochards de mari que vous avez à la maison. Tu es agressé à moi. Alors que tu as juste un truc à côté de vous, quand vous dites souvent que vous le connaissez, vous dites que le truc est au bout de vos nez comme ça. Le nez s'est posé. Mais vous ne pouvez pas voir ça. C'est pour Ndolo Moulema que tu viens. Hein? C'est pour Ndolo Moulema que tu vois. C'est pour moi que tu vois. Tu ne vois pas pour Aïcha Kamos qui est ta copine. À côté de toi, qui a en train de faire plus que moi, au Cameroun. Est-ce que tu m'as venu m'asseoir pour savoir où sort son agent? Pétasse! Chienne! Reviens encore sur moi. Peut-être que tu veux que ta boutique là soit infectée de insecticides. Tu veux que ta boutique là soit infestée d'insectitude. Regarde-moi quelqu'un. Il va parler en français même qui a me dépassé mon main. Ouais, Edith, je t'assure, Mangiata. Il savait tout. Il y a tes immeubles là. Il faut que tu saches. Regarde-moi une petite jalouse à deux balles. Regarde-moi une prostituée qui n'a rien fait de son argent. Regarde-moi un mari pauvre, deux pauvres lots, des gens qui ne servent à rien de la société. Tu veux t'occuper de mes immeubles alors que tu as ta Aïcha Kamouas qui est ta copine, que tu te comprends, que tu es ta copine. Tu sais comment elle fait pour avoir son argent? Pétasse, reviens encore sur moi. Insecticide. Merci, ma Raïssa Tchana. Ma Raïssa de cœur. N'oubliez pas d'aller faire les achats. C'est Raïssa Tchana. Elle vend les gaines. Elle vend les gélules à Merci Saint. Et des gaines là. Quand elle-même, allez dans sa page, Raïssa Tchana. Quand elle-même, vous tournez ça comme ça. Elle tourne là. Moi-même qui suis grosse là, il me manque. Elle vend les gélules. Elle vend les gélules à Merci Saint. Elle vend les gaines. Allez faire la recette, Raïssa Tchana. C'est ma âme sœur, celle qui m'assume et qui n'a pas peur de retomber. C'est ça qu'on appelle les sœurs. Pas les fuma-fuma que quand ça vous arrange. Pas les fuma-fuma quand ça ne vous arrange pas. Donc, et toi, tribienne, s'il te plaît, pose la question, qu'est-ce que ta copine fait pour construire sa part? Je ne provoque pas Aïcha Kamouas. C'est une personne que je respecte parce qu'elle est en train de bâtir au Cameroun. Elle est en train de donner de l'emploi au Cameroun. Et c'est une personne... Elle se bat. Mais toi, tu veux savoir ma vie? Fiche-moi le camp. J'ai juste à savoir la tienne. Où tu as ouvert une boutique là? Je sais que tu as fait quoi de ça? Tu as le concasser combien de n'kassa pour avoir ça? Exactement, ange de Dieu. C'est pour ça qu'elle dit que je ne parle pas d'elle. Je sais de quoi. Je m'occupe uniquement de ce que j'ai dit à ange de Dieu. Je ne suis pas en train de manquer de respect à Aïcha Kamouas. Je dis encore, je respecte Aïcha Kamouas parce que c'est une battante. C'est une personne qui a investi. C'est une personne qu'on a vue. Oui. Et je la respecte pour ça en tant que femme. Parce qu'on ne peut pas lui parler n'importe comment. Mais je parle de la raclure ange. Cette sueur. Cette salissure. De toi qui viens. Avant de venir poser des questions sur moi, va poser à ta voisine. D'accord? Avant de torcher pour l'autre, torche d'abord pour ce qui est à côté de toi. Chienne que tu sois. Avec vos maris, bâtards, clochards, on ne sait même pas combien gagnent dans la vie. Vous venez heureux en plein direct pour demander les étoiles comme tout le monde. Regarde-moi un pauvre l'autre comme ça, pauvre d'esprit, pauvre dans la tête. Une femme qui ne veut, et que vous ne savez même plus à rien. Avec des maris qui ne peuvent même plus vous toucher là-bas en bas, ni vous chatouiller ça. Vous venez nous mettre vos frustrations, vos coups sur nous. C'est comment? Il te fait quoi? Tout le monde vend le macabo, tout le monde marche ensemble, on se fréquente. Mais quand tu me vois là, j'ai récemment ta part de prostitution que tu as fait, on est venu témoigner. Tu as vu, on venait témoigner ma part, mon frère. Et je t'assure, Yacouba Tremblay. Je t'assure. Merci, maman Nadine et Wande pour tes cœurs. Je t'assure. Et bien aussi s'asseoir. On connaît les taxes foncières. Il fallait vous renseigner. Comment y'a. Maman, tu n'es pas fatiguée. Quand je suis inspirée, il peut me durer 7 heures. Bisous là-bas. Pardon, Camille, c'est bon. Laisse ma coco tranquille. Camille, tu vas le téléphone.